L'hommage de tout un club, de toute une ville à un joueur exceptionnel. Le club, c'est le PB 86, la ville, c'est Poitiers et le joueur, c'est Pierre-Yves Guillard. Son maillot, le numéro 11, est désormais retiré. Un honneur fait aux joueurs les plus emblématiques d'un club. Pierre-Yves Guillard, c'est 19 saisons et 544 matchs sous les couleurs poitevines. C'est 4456 points et 2290 rebonds. Et bien sûr, plein de souvenirs. Tu revois toutes les belles aventures, tout ce qui s'est passé, les aventures humaines, tous les gens qui ont grandi avec toi. Et ça fait forcément quelque chose de particulier. Voilà, j'ai tout le temps été ici et les gens, ils m'ont vu grandir. Je suis très ému ce soir. Avant cette cérémonie, le PB 86 affrontait le voisin Tourangeau. Une équipe en pleine refondation et très brouillonne en début de match. Une fébrilité qui permet à Poitiers de dominer une bonne partie de la rencontre à l'image de Marcus Relford, magistral sur les deux premiers quarts-temps, de l'aveu même de la coach Tourangelle. Le joueur américain de Poitiers a marqué 22 points en première mi-temps, puis rien. Et surtout, on a tenu toute l'équipe de Poitiers à 31 points. Donc c'est un petit peu la marque de fabrique que je voudrais qu'on ait, c'est-à-dire défendre pour pouvoir se projeter vers l'avant et courir et se créer des paniers un peu plus faciles. Et c'est exactement ce qui va se passer. Poitiers, qui aurait pu tuer le match dans le troisième quart-temps, commet trop d'erreurs et permet à Tours de revenir au score et de gagner 76-81. Ça se joue sur des stops défensifs qu'on n'arrive pas à faire dans le money time, je dirais. C'était un vrai match de basket entre deux équipes qui sont bien tirées la bourre, dans une grosse ambiance, une grosse salle. Mais hier soir, il manquait peut-être simplement un grand joueur à Poitiers, un Pierre-Yves Guillard par exemple.